Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice des cieux. Toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia, alléluia. S'il vous plaît. Nous lisons dans le livre des psaumes. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 103. Psaume chapitre 103. Nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 103. Psaume chapitre 103, nous lisons la parole de Dieu. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Amen. Oh oui, encore, une fois c'est oh oui, encore, une fois c'est. Oh, moi j'ai soif, tu Dieu
moi j'ai soif. Oh oui, encore une fois c'est oh oui, encore une fois c'est oh moi j'ai soif. Oui, soif qui Dieu vit. Oh moi j'ai soif qui Dieu vit. Tu es merveilleux, notre Père et notre Seigneur. Tu ne nous traites pas selon nos iniquités, tu ne nous traites pas selon nos péchés. Ta grâce et ta bonté au-delà de la compréhension des hommes. Tu es vraiment bon, notre Père. Merci de nous avoir aussi mis à part pour pouvoir également aussi nous conduire comme un berger qui conduit son troupeau, mon sauveur. Et ce soir, tu as permis que nous puissions aussi nous retrouver en cet endroit. Seigneur, tu as vu l'allégresse dans notre cœur. Mon Dieu, nos cœurs sont vraiment touchés de voir ta bonté à notre endroit. C'est vrai, comme mon précieux frère, cet enfant pouvait le prier dans sa prière en disant, tu as senti la pression dans notre cœur, le désir de pouvoir être ici, Père. Et c'était vrai, mon Seigneur. Nous avions ce désir d'être là, de pouvoir également être dans ta maison à toi pour te louer, te glorifier, Père, pour aussi avoir la communion avec toi et aussi avec ton peuple et aussi avec ses frères et sœurs qui sont en connexion à différents endroits. Nous te remercions parce que tu nous as visités, Père. Oh Dieu, nous avons chanté des chants avec allégresse, mon bien-aimé Patrice, et ta présence est descendue, Père, pour pouvoir également aussi réjouir nos cœurs, mon bien-aimé Père. Sois béni et sois exalté, sois glorifié encore pour ce moment que tu nous accordes la grâce, Père. Seigneur notre Dieu, nous nous tournons vers toi pour implorer ta grâce, mon roi. C'est vrai, tu es le Dieu qui est fidèle en ta parole à toi, en tes promesses, Seigneur. Nous nous souvenons que tu nous avais dit que tu seras avec nous jusqu'à la fin des temps. Sois avec nous, notre Dieu. Là, nous avons failli, que tu veux encore nous pardonner, mon roi. Nous désirons que tu sois avec nous, mon sauveur, pour nous conduire encore, pour nous éclairer, Seigneur. Père, nous voulons jamais nous lasser de toi, mon sauveur bien-aimé, Père oh Dieu. Que tu nous aides encore davantage, Père, que chaque fois que l'amour se renouvelle encore davantage pour toi, qu'il soit encore brûlant encore davantage pour toi. Je prie pour cela, pour mes frères, pour mes soeurs, mon roi, nos enfants, nos petits-enfants, Père Tubissant, que nous puissions être embrassés d'amour à ton endroit, Père. C'est vrai, nous voulons vraiment t'aimer. Et notre préoccupation ne sera que de toi, mon bien-aimé, Père Tubissant. Penser à toi, s'occuper de toi, de ta parole à toi, de ta maison à toi, ce qui te concerne, toi, notre Dieu. C'est vrai. Sois béni, mon sauveur, et nous te remercions pour cela, Père. Merci pour les chants des cantiques, mon roi. Merci aussi pour les psaumes. C'est vrai, mon bien-aimé, Père Dieu. Notre âme ne peut que soupirer après toi, mon bien-aimé, Seigneur et sauveur. Béni sois-tu encore pour ces instants. Et nous prions aussi pour nos frères et sœurs qui sont en connexion. Béni ceux qui ont joué aussi aux instruments aussi, bien-aimé, Père Dieu. Nous rendons gloire à ton Saint-Nom. Sois béni pour cela, car nous t'avons ainsi prié, Père. Au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit vraiment béni. Qu'il soit célébré et qu'il soit aussi aimé de tous nos cœurs. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Combien il est bon, combien il est doux de marcher avec ce sauveur. C'est comme ça que nous le chantons aussi en disant, mon seul appui, c'est l'ami céleste. Et c'est Jésus seul. C'est avec lui que nous voulons cheminer tout au long de notre pèlerinage sur la terre jusqu'à ce que nous puissions arriver. Parce que avec lui, c'est sûr et certain que nous atteindrons le bon port. Et qu'est-ce qu'il nous a dit, que lui-même, il est le chemin, la vérité et aussi la vie. Qu'il soit exalté pour aussi sa fidélité à sa parole. Et comme la Bible le fait savoir, qu'il reste donc fidèle malgré notre infidélité. Donc le Seigneur, il reste fidèle à sa parole. C'est pour ça que nous avons vraiment foi et confiance en lui, que sa présence ne pourra jamais manquer à l'endroit de chacun de ceux-là qu'il désire de tout leur cœur et qu'il cherche aussi de tout leur cœur et qu'il craigne aussi comme David pouvait s'écrier en disant « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. » Nous combattons et nous désirons que le Seigneur, notre Dieu, nous soutienne parce que pour garder la parole de Dieu, ça a toujours été un combat. C'est depuis les débuts que le Seigneur donna sa parole à son fils, effectivement, aussi à Adam.
Et là, Satan, lorsqu'il vit cela, il se déploya pour pouvoir tout faire pour que réellement que Adam puisse sortir de la voie que le Seigneur avait donc tracée. Ce combat, depuis le début, continue encore. Au travers des années, des siècles qui sont passés, effectivement, c'est toujours le combat entre la vérité et le mensonge, entre la lumière et aussi le ténèbre. Nous remercions le Seigneur, notre Dieu, parce que nous voyons qu'il veille vraiment pour que la vérité soit toujours exposée, qu'elle soit publiée et proclamée, effectivement, malgré que les ténèbres s'apaisantissent de plus en plus. Je crois que nous réalisons, comme le Seigneur l'a dit dans les Saintes Écritures, que les ténèbres couvrent donc la surface de la terre. Ce que nous comprenons, ce que cela veut dire, ce que le mal a beaucoup plus d'emprise, effectivement, parmi les hommes, parce que c'est lui qui est à l'origine du mal, est tellement malin, comme la Bible le dit, effectivement, et il combat, effectivement, pour que les hommes ne puissent pas arriver à pouvoir réellement se tenir dans la voie qui est juste. C'est pour ça qu'il déploie tous les moyens, les astuces qu'il peut utiliser d'une manière ou d'une autre, mais vraiment, il devient tellement si fin. C'est pour ça que le Seigneur, notre Dieu, lorsqu'il a parlé effectivement du temps de la fin, lorsqu'il a regardé cela, en répondant à ce qui lui avait été posé comme question, effectivement, parce que cela s'est rapporté aussi à rapport avec la fin de temps aussi. Hein. Et puis, il a dit effectivement que les élus, il dit, ce serait tellement si près, que les élus seraient séduits si cela était vraiment possible. C'est vrai que nous répétons, nous nous référons à cela, où le Seigneur a eu à pouvoir dire que si cela était possible, il nous est nécessaire aussi de pouvoir baiser effectivement la parole comme le Seigneur a eu à pouvoir la prononcer, si cela était possible. Ce qui veut dire que c'est tellement si près, de telle sorte qu'effectivement qu'il faut qu'il y ait l'intervention divine quelque part, pour que toi, tu puisses voir et aussi échapper à ce que... Parce que Satan, des démons sont vraiment des démons. Et comme vous l'entendez bien, Satan, avec ses démons, ils sont vraiment des démons. Leur objectif, c'est de pouvoir faire toutes les astuces nécessaires pour séduire l'homme et l'amener toujours à la destruction. C'est pour ça que l'homme sur la terre, la plupart du temps, il a tellement goûté aux choses immondes, effectivement, son intérieur aussi, son esprit, effectivement, aussi, a eu à pouvoir réellement aussi être, vous savez, parce que Satan en a profité pour pouvoir saisir, effectivement, la nature de l'homme, et puis son esprit, il a mis tellement dans les conditions, de telle sorte qu'effectivement, que le mal devienne quelque chose que l'homme est capable de pouvoir désirer, effectivement, parce que, prenons un exemple, que quelqu'un veuille désirer tuer quelqu'un pour arriver à pouvoir prendre son bien. Donc, tu vois que c'est un homme comme toi. Mais tu as le désir d'ôter la vie à quelqu'un pour simplement prendre, si c'est le vêtement, ou si c'est l'argent, ou si c'est... Donc, les vêtements, l'argent, les maisons, tout ça deviennent quelque chose qui a plus de valeur que la vie d'un être humain. Or, comme nous l'avons aussi entendu et compris aussi que chaque chose qui est sur la terre n'a de valeur que la valeur que l'homme donne. Parce que c'est l'homme qui donne la valeur aux choses. L'argent n'a pas plus de valeur que vous. Quelqu'un possédait même des milliards, ça ne peut pas être plus valeureux que vous, en fait. Parce que ce ne sont que de papiers. Et que si toi, tu n'existes pas, l'argent n'a pas de valeur. Qu'est-ce qui peut encore être plus valeureux que vous? C'est pour ça que Dieu, notre Seigneur, nous enseigne par sa parole. Et Satan vient en train de pouvoir. C'est toujours cette façon qu'il a. Et c'est pour ça que nous devons être très prudents, effectivement aussi, parce que nous vivons dans une période tout à fait particulière et aussi difficile. Ne perdez pas votre temps, mon frère et ma soeur, pour rester dans ce monde pour des choses inutiles. Vous mettrez votre cœur à pouvoir vouloir suivre, effectivement, la voie de ceci, la voie de cela. Mais vous savez, ça ne va rien vous apporter. Satan nous a... Alors,
sens que Dieu, notre Seigneur, il est vraiment la vérité. Il nous dit la vérité, il nous montre aussi effectivement la différence entre là, ça et ceci, effectivement, et aussi la finalité de deux voies dans lesquelles nous trouvons au devant pour que nous fassions réellement le choix en connaissance des causes. Mais il apparaît quand même dans la plupart du temps que les gens ont les yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles pour entendre, mais ils n'entendent pas. Comme lorsque nous disons qu'il n'y a aucune chose qui peut avoir plus de valeur qu'un être humain. Je ne sais pas si vous saisissez cela, si vous comprenez. Alors pourquoi serais-tu jaloux de ton frère? Pourquoi serais-tu jalouse de ta sœur? Parce que, je sais, mais que Dieu nous aide à ce que nous puissions comprendre que nous, en tant qu'enfants de Dieu, et que Dieu a accordé la grâce de pouvoir aussi nous donner cette grâce de pouvoir avoir les oreilles qui s'ouvrent pour pouvoir aussi entendre et les yeux ouverts pour que nous puissions voir, que nous ne prenons pas à la légère ce que Dieu nous a accordé comme grâce. Dans le livre de Romains au chapitre 11, nous pouvons lire cela. Je pense que juste cela en lisant, parce que nous avons déjà le temps qui est déjà aux alentours de 20h. Et comme nous sommes restés quand même un peu longtemps, le dimanche, je pense, nous allons essayer de pouvoir rester courts et que nous prions pour que le Seigneur nous aide. Je voudrais, par la même occasion, saluer notre bien-aimé frère, s'il est ici, parce que j'ai pu savoir qu'il devait être là, c'est notre frère Yvon de l'Idabo, avec, je ne sais pas s'il est avec sa famille, est-ce qu'il est arrivé, est-ce qu'il est ici, mais je le vois. Mais pourquoi es-tu allé tellement dans le fond, mon frère? Et la famille, elle est où? Ah, tu es venu seul? Ah, s'ils sont là quand même, soyez le bienvenu. Vous le connaissez, non? Vous l'avez vu quand il est arrivé? Vous ne l'avez pas vu? Ben, on aura l'occasion, lisons d'abord. Romains au chapitre 11. Romains au chapitre 11, nous lisons donc à partir du verset 1. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là, car moi aussi je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. J'aime beaucoup ça. Ah, ça, c'est, ça réjouit le cœur. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Voilà le sujet. Il dit, comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël. Il dit, Seigneur, ils ont tué tes prophètes. Ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-elle? Il dit, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. De même, aussi dans le temps présent, il y a un reste, selon l'élection de la grâce. Amen. Tu es parfait, notre Père. Et nous t'aimons, mon bien-aimé Saint. Quelle consolation dans notre cœur, dans notre âme. Oh, Dieu, que les montagnes s'éloignent. Mais Seigneur, mon Dieu, je voudrais te dire merci encore pour ce que tu es pour nous, Père, et la bonté qui te témoigne, la grâce et la joie. Seigneur, nous n'avons point de plaisir à aucune autre chose, si ce n'est qu'en toi et en ta parole, mon bien-aimé Père Saint. Nous réjouissons de pouvoir avoir des moments comme ceci, parce que Père Saint, nous voyons ce que sera le lendemain, combien dans les années à venir, Père Tibissant, les choses seront, mais nous saisissons les occasions que nous avons de pouvoir nous retrouver. Sois béni et sois exalté, Père. Merci pour ce que tu fais, car nous t'avons ainsi prié, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. C'est merveilleux quand nous pouvons lire la parole de Dieu et nous réalisons combien Dieu est notre Seigneur. Oh, que c'est merveilleux. Nous l'appelons Dieu et puis notre Seigneur. Auparavant, nous ne pouvions pas appeler Dieu et aussi notre Seigneur. Vous savez, parfois, comme on y est, les habitudes peuvent s'installer, effectivement, mais souvenez-vous,
Si aujourd'hui nous pouvons nous sentir l'appeler Dieu et notre Seigneur, c'est parce qu'il a fait vraiment quelque chose de tellement grand. Vraiment de tellement puissant, qui fait que même jusqu'à aujourd'hui, ils ne peuvent pas comprendre comment est-ce que... Non, c'était quelque chose de tout à fait impensable. C'est pourquoi nous ne rentrons jamais dans les habitudes. Voyez-vous pourquoi Dieu ne traite pas avec les dénominations? C'est parce qu'ils sont restés dans le formalisme, dans les habitudes, effectivement. Et puis, bon, dans les chants habituels, effectivement, ils viennent et peuvent chanter leurs chants habituels comme cela. Ils font les services habituellement comme ceci, en se disant, bon, ça doit être comme ça, en fait. Mais c'est pour ça que nous sommes pas dans les habitudes, en fait. Et quand on vient, lorsque nous chantons en vivant, en prenant part, effectivement, dans les chants dans lesquels nous sommes entrés. On a toujours eu à pouvoir entendre cela. C'est pour ça que ce ne sont pas de bruits ou de voix qu'on cherche à pouvoir entendre. Ça doit être le cœur, en fait, où l'enfant de Dieu, chaque jour qui vient, dit, Seigneur, je te loue, parce que j'étais dans le bas. Maintenant, tu m'as fait sortir. Je ne pouvais pas t'appeler mon Dieu, mais tu m'as accordé une grâce. Aujourd'hui, je t'appelle mon Dieu. Comment ne pas te louer? Comment ne pas chanter ta gloire? Et Dieu te bénisse. C'est cela, l'objectif même des cantiques que nous chantons. C'est pour louer Dieu. Alors, si je dois louer Dieu, il doit y avoir une raison. Ah, une répétition. Non! Mais je te loue, Seigneur. Aujourd'hui, je peux être vivant. Hier, je n'étais pas bien. Et quand je marchais, je n'étais pas bien. Mais aujourd'hui, je sens, Seigneur, que tu as fait quelque chose. Alléluia. Hier, je ne pouvais pas aimer vraiment. Mais ta parole a fait quelque chose en moi. Quand j'ai écouté, l'amour est revenu. Oh, mon frère et ma soeur, il y a de quoi les louer. Non, nous ne sommes pas des gens qui sont là pour faire des bruits. Nous sommes de ceux-là qui rendent un culte vivant. Amen. À un Dieu vivant. Amen. Parce que en lui, nous nous retrouvons. Nous étions étrangers. Oui. Amen. Ah, nous voyons comme cet homme de Dieu, l'apôtre Paul, qui dit, mais maintenant, vous n'êtes plus des étrangers. Nous étions. Vous êtes maintenant concitoyens. Gens de la maison. Des dieux. Nous nous sentons bien de pouvoir être les gens de la maison des dieux. Nous ne prenons pas ces choses à la légère parce que nous savons que c'est une grâce. C'est la grâce que Dieu nous a accordée pour que nous puissions devenir effectivement aussi des enfants de Dieu. Alors, si c'est la grâce que Dieu nous a accordée, alors nous recevons cette grâce avec beaucoup de reconnaissance. Vous savez, comme l'autre fois, j'ai dit, faire venir les enfants qui chantaient ici, comme, vous savez, ils avaient tellement bien chanté ces cantiques, et que ma vie soit une fleur, un parfum, pour toi. En fait, ça démontre, nous, quand j'entends comme ça démontre que nous lui sommes reconnaissants chaque jour. Amen. Même si je manque du pain. Amen. Or, je sais que je ne manquerai pas du pain. Amen. Même si je manquais. Aïe, 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 que Dieu nous aide. Je me dis, comment, vous savez, sans Jésus, sans notre Dieu et sa parole dans notre vie, on pourra nous trouver les bonnes. Oui, vous savez, dans les dénominations, il crée des choses, effectivement, pour un peu l'émotion, tout ça. Nous ne cherchons pas cela. Nous, ça vient naturellement. Quand nous chantons, nous entrons dans cette dimension, on sent que c'est le Saint-Esprit qui nous amène, effectivement, qui nous transporte, et nos cœurs s'élancent avec bonheur et avec allégresse. Alors, quand le cœur, l'âme est touché au plus profond, je ne cherche pas à pouvoir pleurer à quelqu'un ou quelque chose comme ça. Je ne regarde même pas à côté de moi. Alors, vous savez, je regardais, je crois que c'est une vidéo, vous ici, hein, un temps. Alors, quand je regardais, je pense qu'on filmait effectivement à ce moment-là, et que je regardais comment, que Dieu te bénisse. Regardez toujours avec ce modèle. Puis je regardais les frères et les sœurs. Je vois notre sœur Marie Chantal. J'ai dit, vous voyez, ça vous donne déjà envie.
je vois ma soeur, ma Sarah ici, là. Vous savez pas, Nana. Alors là, je vois. Je regardais tout le monde, j'ai dit, mon Dieu. Alors quand, à ce moment, tout le monde était assis, alors quand le cantique est monté, je vois seulement un à un qui s'élève, j'ai dit, gloire à Dieu. Et là, dans le fond, je voyais, c'était notre frère Christophe là-bas, il était là, pris avec. Ah oui, j'ai l'occasion de voir. J'ai dit, ouh, là, là, il était en train de bouger. Vous ne le voyez pas, mais il était dedans, j'ai dit, gloire à Dieu. Il dit, quand on monte comme ça, on se sent tellement si bien. Que le Seigneur, notre Dieu, ajoute encore davantage du zèle. Alors, ici, cet homme de Dieu ne fait pas qu'effectivement que. Au verset 10, Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Il est absolument impossible que Dieu, notre Seigneur, qu'il ait connu en fait quelqu'un d'avance et qu'il puisse arriver à pouvoir également aussi se manifester à son endroit, que ce Dieu puisse le rejeter pour. Vous savez pour quelle raison? Parce que, et si cela, nous prenons cela, puis ça nous ramène encore dans Romains, où il clarifie effectivement aussi, et c'est cela qui est merveilleux, mon frère et ma soeur, où nous voyons que Dieu est tellement, si vous allez comprendre qu'il nous aime, Dieu est tellement bon, et la voie pour Dieu, et le connaître, et qu'il te connaisse toi, c'est quand même glorieux. C'est pour ça, mon frère et ma soeur, c'est que quand vous pouvez voir comment ces hommes, et je parle de Pierre et Jean, aussi les autres, effectivement, les apôtres, effectivement, quand c'était le moment ou le jour où on devait aller à la prière au temple, on ne les obligeait pas, en fait. Ils montaient à l'heure de la prière parce que c'était quelque chose dont ils en savaient l'importance, qui faisait partie de leur vie. Ils étaient des pécheurs, des hommes de rien du tout. Qui côtoyaient les pharisiens, tout ça, aussi, dans la même lignée, effectivement, ainsi. Mais un jour, il vient, il dit, toi, viens et suis-moi. Et chaque fois qu'il disait, toi, viens et suis-moi, la personne n'avait pas de résistance. Vous voyez, même les et tous ceux-là, non, ils s'élevaient et ils suivaient. C'est pour ça que vous allez comprendre pourquoi, ce que il n'y avait pas de résistance. De la même manière, quand il parlait à Abraham, quitte ton père, ta mère et ta patrie, il n'y a pas eu de résistance. Vous vous souvenez? Alors, vous vous souvenez, pour que vous puissiez voir cela, lorsqu'il s'est tourné vers, quand tous l'ont abandonné, il s'est tourné vers les disciples qui étaient là. Il leur pose la question, mais pourquoi vous ne partez pas vous aussi? Vous vous souvenez? Pierre a répondu. Et puis il se tourne vers lui, il dit, mais n'est-ce pas moi? N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Donc s'il a dit ça, c'est parce qu'il, pour qu'il comprenne. Mais si je fais un choix sur vous, mais je savais bien. Donc, rien, même si la parole que j'aurais dû aller dire allait tellement si fortement monter, vous n'allez pas bouger. Il y a un lien. D'ailleurs, vous pouvez remarquer aussi, quand il a prié dans Jean 17, il dit, Père, ils étaient, vous comprenez cela? Et toi, tu me les as. Voilà. Donc, ce n'était pas par hasard qu'il a eu à pouvoir les appeler, hein. Non, dis, mais ils étaient à toi et toi tu me les as donnés. Et puis, pour aussi démontrer qu'ils étaient à lui, il dit, mais je leur ai donné les paroles que toi tu m'as. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont reçu. Ils n'ont pas discuté. Non. Ils ont reçu et ils ont reconnu que je suis sorti de toi. Alors je te prie de les garder. Je les ai gardés aussi en ton nom. Vous vous souvenez? Alors, il dit, mais ce qu'il a connu d'avance. Regardez Romains au chapitre 8. Afin que nous puissions voir la fidélité de Dieu. C'est pour ça qu'il faut que nous soyons rassurés de la relation, frères et sœurs, que nous avons avec notre Dieu. Vous ne pouvez pas avoir le doute là-dessus. C'est-à-dire que quand Dieu a eu à pouvoir mettre sa main sur toi, tu dois être dans une position telle que tu dois chercher, tu dois sentir effectivement cette soif profonde de chercher Dieu pour que Dieu te parle. Parce que le Seigneur veut toujours te rassurer, toi. Oui, ma soeur et mon frère, c'est vrai ça. Dieu ne veut pas que tu marches avec lui dans l'hésitation. Ou dans les, je ne sais pas, est-ce que si je pourrais et si je le suis. Non, c'est pour ça que par la prédication de la parole de Dieu, Dieu te parle, il t'ouvre en fait l'entendement. Il te permet aussi de pouvoir aussi te retrouver. Bien sûr, quand Dieu parle, effectivement, tu dois réaliser effectivement qu'il y a quelque chose que Dieu est en train de pouvoir faire et qu'il me parle aussi à moi. Parce qu'il ne peut pas parler quand même sans te parler.
C'est sûr. Alors, regardez bien, il dit ici, Romains au chapitre 8, et nous lisons le verset 28, je pense que c'est cela. Oui, c'est cela, vous dites non. Oui, c'est Romains. Oui, c'est oui, Romains 8, sur ce verset 28. Et il dit ceci, nous savons du reste que toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Verset 29, il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, vous entendez cela? C'est ce que nous avons lu dans le chapitre 11. Il dit, mais ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas échouer. Donc s'il t'a connu d'avance, Dieu ne va pas se tracasser pour des gens dont il n'a pas eu à pouvoir avoir un dessein pour eux. Parce que si Dieu t'a cherché toi, il t'a pris effectivement, frère et soeur, c'est pour ça que j'ai dit que nous ne pouvons pas nous lasser de pouvoir louer. J'ai dit, c'est vrai, nous sommes des humains, mais j'ai dit quand même, ayant eu la grâce de connaître ces dieux dans cette dimension qui nous amène, quel est le problème dans ce bas monde qui peut faire en sorte que tu dises, en tout cas, je ne peux plus servir Dieu? Et serait-ce la maladie? Serait-ce quoi? Parce qu'on se pose bien la question. Vous saisissez, c'est nécessaire en fait pour que nous réalisons que notre rassemblement à nous, je parle de fils de Dieu, ne doit jamais être comme le rassemblement des autres. N'amenez jamais un feu étranger dans le rassemblement des dieux. Pour l'amour de Dieu, c'est important pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Et surtout, ne faites pas des choses par habitude. Nous ne sommes pas dans une, vous savez, une position comme cet esprit de catholicisme, de franciscain, de ceci et de cela, comme vous pouvez voir lorsqu'il y a des morts, on répète toujours la même chose, effectivement. C'est comme ça que sont les messes. Donc ça, c'est quelque chose que Dieu a eu à pouvoir dire aussi, que je déteste les nicolaïsmes. Est-ce que vous comprenez? Vous avez déjà lu cela, non? Donc j'ai et le nicolaïsme, en fait, et cela fait parce que le nicolaïsme, Nico, c'est donc pour vaincre, c'est-à-dire qu'il rejetait donc le Saint-Esprit. Parce que pour eux, comme c'est quand même des services qu'on doit faire, c'est entre parenthèses. Hein, il faut d'abord qu'on programme, on doit faire ceci lorsqu'on arrive à 19h30 pile, on commence par ça, par ceci, et puis on va dire ça. Vous allez voir, hein, on va dire ceci, et puis quand on a dit ceci, l'autre va répondre comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et puis on fait paf, on calcule bien, 20h, 20h30 pile, on a terminé tout en fait. Alors c'est comme cela, mais ça c'est que Dieu ne pourrait jamais aimer. Parce que les services n'est pas les services de l'homme pour qu'on leur donne les choses comme ceci, mais les services sont rares à Dieu. Alors si c'est à Dieu, Dieu doit être celui qui contrôle tout. Alors s'il contrôle tout, alors son esprit doit se mouvoir. Nous disons tous que nous sommes fils et filles de Dieu, n'est-ce pas? La Bible dit que oh, tous ceux qui sont conduits par les programmes, par l'esprit de Dieu, sont donc fils. Voilà pourquoi moi je vous demande toujours, mais est-ce que vous voulez que je m'arrête, que vous puissiez arrêter effectivement? Parce qu'il y en a de ceux. Il y en a de ceux qui sont là, mais en certains moments, on sent que. Vous savez, Dieu nous éprouve beaucoup, hein. On ne se rend pas compte. Oui. On commence, parfois, on arrive à. Puis on voit, il pousse encore un peu. Je vous pose la question, est-ce que vous voulez? Parce que quand vous sentez que vous ne pouvez pas, vaut mieux que vous partiez. Parce que quand vous commencez à pouvoir, essayer de pouvoir forcer, que vous commencez à pouvoir murmurer, vous vous mettez dans les grands péchés. Et ça, c'est pas bon. Donc, il faut qu'on soit dans une position telle que on veut de cela. On veut de la parole de Dieu, effectivement. On veut que le Seigneur puisse agir, effectivement. Alors, vous verrez que si vous le désirez comme cela, comment Dieu va prendre le temps de pouvoir vraiment vous transformer. Il va vous modeler. C'est comme ça qu'on nous dit que Dieu fait toutes choses par sa parole. Alors, plus on aime la parole de Dieu, plus on dit, Seigneur, taille-moi. C'est ça le secret que vous ne comprenez pas. Oui, Seigneur, taille-moi, parce que je désire vraiment être
changé, que dans mon intérieur à moi, que tu fasses ton travail. C'est cela, mon frère. Parce que, si par exemple, nous sommes là, et vous rentrez chez vous à la maison, après avoir été béni, je dis Seigneur, mon Dieu l'a pardonné, et puis vous mettez des chansons qui ressemblent à des cantiques, mais qui sont effectivement inspiration païenne, comme les gens du monde, on chante. Parce que je ne peux pas, moi, penser que vous, frères et sœurs, étant fils de Dieu, vous entrez chez vous, vous allez copier toutes ces chansons qui sont sur les nets qu'on chante là, en train de faire de ceci et de cela, qui n'ont, vous connaissez un peu ce genre de chansons, hein, ça ne fait que mouvoir votre intérieur, mais votre âme, en fait, il est un peu, vous savez, embrouillé quelque part, même si on parle de Dieu, vous connaissez ce moment-là. Et quand vous faites cela, en fait, vous stoppez le travail. Parce qu'il faut continuellement être dans la présence du Seigneur. Nous sortons, nous demeurons, peu importe l'endroit. On peut même être au travail, on travaille pour je travaille, mais toujours en fait tes pensées tournées, Seigneur, ici où je suis, garde-moi. Parce que pourquoi, mon frère, ma soeur, personne ne connaît ni les jours ni l'heure. Il peut arriver à n'importe quel moment. C'est pourquoi Dieu dit, soyez prêts. Car vous ne savez pas le jour où il peut. Frères et sœurs, il viendra quand même. Que vous le croyez ou que vous ne le croyez pas, que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, le Seigneur viendra quand même. Vous savez, il nous a dit une parole encore merveilleuse, je veux retourner la Romain. Il dit, mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Voilà. Comme un voleur. Un voleur n'avertit pas quand il vient. Alors, ne vous laissez pas vous entraîner dans votre aisance. C'est que nous devons être aux aguets. Et voyez-vous, c'est quelque chose que parfois on ne se rend pas compte d'une certaine manière ou d'une autre. On a l'impression que, en fait, c'est comme si ça ne viendra pas. Et que le Seigneur va te dire, oh, me voici, je suis en train de descendre. Non, monsieur. C'est là pour dire que, bon, ben, je vais commencer à préparer ceci. Non, monsieur. C'est pour ça que... Bon, regardez. Alors, ici, il dit, Romains au chapitre 8, verset 20, il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. C'est-à-dire qu'en fait, il a fait en sorte que toutes choses soient placées pour qu'ils arrivent effectivement à atteindre le but pour lequel Dieu les a appelés. Vous suivez? Parce qu'il dit, mais il a prédestiné à être semblable à l'image de son fils. Donc c'est le but en fait d'une certaine manière. Alors nous revenons dans Romains au chapitre 11 pour que nous comprenions. Donc d'abord que nous comprenions comme il a dit que Dieu n'a pas été son peuple qu'il a connu d'avance. Il dit, ne savez-vous pas d'Élie, ne savez-vous pas que c'est pas français que l'écriture rapporte d'Élie. Donc Élie, comme vous vous souvenez effectivement, vous savez ce qu'il était et ce qu'il est en tant que prophète. Vous savez cela non? Il dit comment il adressa à Dieu cette plainte contre Israël. Vous connaissez cela, non? Avec Acab, Jézabel et tout ça, comment Jézabel a eu un pouvoir, effectivement, détruire tout ce qui était en rapport avec Dieu, effectivement aussi les prophètes et tout ça, parce que comme il avait apporté sa religion d'Astarté, des idolâtres, effectivement, donc il ne voulait pas cela. Alors, verset 3 dit, il dit, Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, et je suis resté moi seul. C'est-à-dire que lorsqu'il a pu se regarder effectivement aussi dans ce monde, dans ce temps qui était vraiment corrompu. Alors qu'en fait aussi Jézabel et Acab, qu'ils avaient amené effectivement les pays à la corruption, à tout ce qu'on appelle débauche aussi, des choses aussi immondes. Donc il a regardé, on a tué ceux qui voulaient rester accrochés à l'Éternel. Dieu, effectivement, donc le peuple qu'on pouvait regarder, ils étaient tous entraînés là-dedans. Alors, c'était aussi la douleur dans son cœur. Il a pu regarder, mais ils ont tous tué cela. Et je suis resté seul. Et étant aussi seul,
Il cherche aussi à m'ôter aussi la vie. Alors, la réponse que le Seigneur a donnée à cet homme a été quand même une réponse tout à fait instructive. Regardez ce qu'il lui dit. Verset 4, il dit, mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Il lui dit, je me suis réservé. Donc, malgré débauche, malgré tout ce que les gens pouvaient arriver à pouvoir faire, alors que Satan, les démons ont dit que nous avons à tel lieu de devoir tout mettre en main sans essayer, en fait, qu'il n'y ait personne qui soit vraiment aussi pur, qui doit se maintenir effectivement dans les choses qui sont de Dieu. Dieu dit, je me suis réservé. Élie n'était même pas au courant, le prophète, effectivement, n'était même pas au courant. Il pleurait parce qu'il y avait effectivement tout un tas de... Ça n'allait pas. Mais Dieu lui dit, je me suis réservé 7000. Quand tu as vu tout cela fléchir leurs genoux devant Baal, et adorer Baal, effectivement, oh, moi je me suis réservé 7000 qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Et pourtant, ils étaient tous dans le mouvement de tout le monde. Pourquoi n'ont-ils pas fléchi les genoux devant Baal? Parce que Dieu a eu à pouvoir faire quelque chose de particulier, c'est qu'il les avait connus d'avance. Je vous rappelle encore, mon frère et ma soeur, il y a eu un temps aussi, c'était le temps où Abraham marchait avec son neveu Lot. Il y a eu donc des troubles, effectivement, parmi les travailleurs de Lot, effectivement, et d'Abraham, parce qu'ils avaient des troupeaux. Souvenez-vous. Voilà qu'effectivement, que ça commence à poser des problèmes, évidemment. Et puis bon, Abraham dit donc à Lot, son neveu, mais on ne doit pas avoir de problème. Pourquoi ces situations, effectivement, comme cela? Alors voilà, nous avançons ensemble. Et puis bon, si toi, ça dépend de ce que tu trouves, voici devant nous, si tu estimes que bon, on ne peut pas rester ensemble, choisis la voie. Si tu prends à droite, moi je prends à gauche. Si tu prends à gauche, moi je prends à droite. Alors fais ton choix, Lot. Lot a fait son choix. Il est allé vers Sodome. Et Abraham a pris donc ses serviteurs, tout ça, son troupeau. Ils ont avancé. C'était le choix que Dieu avait fait pour Abraham. Et il a avancé. Est-ce que vous comprenez? Voilà que Lot allant là-bas, et arrivé à Sodome, évidemment, aussi. C'était une contrée dont tu lui voyais que c'était vert, c'était beau, c'est comme ça, hein? Pleine verdâtre, avec tout ça, pour les sentir bien. Or, c'était en fait le bastion où Satan s'était aussi érigé sa place. Il est arrivé là-dedans. Vous connaissez ce qui se passe. Vous savez ce qui s'est passé. C'est exactement, parce que le Seigneur en a même fait référence encore, il en sera comme au temps de Lot. Vous voyez ce temps-là, effectivement, et les hommes qui tournaient leur désir vers les hommes. Mais c'est comme ça, c'est écrit. Vous n'avez jamais... Il faut lire quand même, vous pouvez voir. Et cet homme-là, le temps file vite. Je vais quand même mettre court pour revenir à ça. Lot, c'est quand même extraordinaire, mon frère. Il y a quelque chose qui s'est passé dans Lot, en fait, quand il marchait avec Abraham. Il a quand même pu observer aussi Abraham. Et puis quand il est arrivé effectivement dans Sodome, quelque chose est resté en lui, donc il savait quand même d'où est-ce qu'il venait, parce qu'il a marché avec son oncle, je pense, vous vous souvenez. Il a pu voir l'éducation que son oncle lui a donnée. Et arrivé là-bas à Sodome, regardez les choses qui sont terribles. Nous apprenons que dans Genèse chapitre 18, que trois personnes ont apparu à Abraham. L'un restait avec lui, c'était donc l'Éternel. Les deux anges sont descendus vers Sodome. Vous avez remarqué une chose, c'est que quand le Seigneur révéla à Abraham ce qu'il allait faire, parce qu'il dit, mais cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham n'avait pas cherché Dieu.
C'est Dieu qui cherchait Abraham. Votre attention, ne rêvez pas ou ne soyez pas, non, je vais être court, mais c'est votre attention importante. Abraham n'avait jamais cherché Dieu. C'est Dieu qui a cherché Abraham. Quand Dieu s'intéresse à toi, c'est qu'il a un projet avec toi. C'est la vérité, mon frère et ma soeur. C'est pour ça, il ne faut pas vous battre. Et moi, je vais chercher un ambiance. Non, regardez, Abraham ne s'est pas battu. Hein. Il dit, tu fais ton choix. Moi, je dois vous faire, tu dois faire un choix. Puis toi, tu vas se dire, non, parce qu'il y en a des gens qui sont comme ça. Hein. Après, ils vous créent toujours des problèmes sur le chemin. Non, tu dis, tu veux quoi? Tu veux prendre? Prends ce que tu veux. Parce qu'il va prendre ce qu'il veut, mais la portion qui vous est réservée, Dieu va vous le donner. Vous voulez, c'est pour ça que vous rappelez, vous voulez que je vous rappelle encore quelque chose? Amen. Pour que vous puissiez voir, amen, qu'il faut laisser les gens faire. Amen. Vous vous souvenez de cette Hadassa Esther? Amen. Il y avait une plus belle fille, effectivement, là-bas dans la région, qu'on a eu à pouvoir prendre pour le roi. Mais Hadassa était particulière, cet enfant. Depuis, il était resté avec Mardoché. Son oncle qui l'a éduqué, élevé, était toujours soumise. Vous voyez le caractère d'une femme. C'est toujours ce respect. J'ai dit, oh, frère, ça veut dire nous n'avons pas le temps. Enfin bon, c'est toujours important pour vous, mais aussi le temps nous manque quand même beaucoup. Vous pouvez voir comment Dieu peut élever une femme qui est dans le bas, qu'on le maîtrise, qu'on méprise, à cause simplement qu'elle a gardé sa position en rapport avec la parole de Dieu. Il vous élèvera toujours. N'oubliez jamais cela. Si Dieu a dit, femme, soyez soumise à vos maris, tes désirs sont pour toi, mais ne te révolte jamais. Ne commande jamais ton mari. Parce que quand tu commandes ton mari, tu le pousses aussi à pouvoir faire n'importe quoi. Mais quand toi, tu restes dans ta position, il s'élève, tu t'es soumise, tu réponds parfaitement avec autant de respect, c'est toi qui vas avoir aussi les déçus. Parce qu'avec ce que tu fais, Dieu te défendra dans tout le domaine. Bien sûr, mon frère et ma soeur. Et c'est pour ça que pour les sœurs, parfois, se disent, oui, pourquoi Dieu? Non, Dieu t'a donné une bonne place. Amen. La place que tu as, c'est la place honorable. Amen. Ne suis jamais le monde qui te dit, ouais, tu te laisses mater, tu dois... Moi, si tu dis, je ne me laisse pas mater, je mets la parole de Dieu en pratique. Amen. Pourquoi vous mettez la parole de Dieu en pratique? Parce que vous n'êtes pas obligé, mais parce que vous aimez les seigneurs. Donc nous revenons à Lot, effectivement. Alors voilà que quand le Seigneur a eu à pouvoir, donc il parlait à Abraham, et puis Abraham commençait à intercéder pour son neveu Lot là-bas, enfin pour ceux qui étaient à Sodome, parce qu'il avait vu que son neveu était là-bas. Jusqu'à ce qu'il a négocié avec Dieu, puis il s'arrêta au chiffre que lui il avait dit. Seigneur, même s'il reste même 10. J'ai dit, mais non, s'il reste 10, je ne détruirai pas la ville. Donc, Abraham lui dit, je ne parlerai plus. Parce que eux aussi, ils descendaient jusqu'à 2 à 3. Dieu avait toujours dit, bon, vas-y. Mais lui, il s'arrêtait au nombre qu'il avait dit. Vous suivez? Amen. Et puis Dieu dit, mais comme tu veux, s'il y en a 10, moi, s'il y en a 10 justes, je ne vais pas détruire la ville. Dieu nous connaît, hein? Il nous observe simplement quand nous parlons. C'est pour ça que les anges sont descendus. Donc, les deux, là, pour aller là-bas. Et quand ils sont arrivés là-bas, sur le terrain en Sodome, là où était Lot, les temps. Mettez-vous dans ces tableaux, vous, que vous puissiez vous mettre dans ce que vous entendez en fait, pour que vous puissiez comprendre les choses. Les anges sont arrivés, or ces hommes-là étaient envoyés par Dieu. Quand ils sont arrivés dans la ville de Sodome, où il y avait beaucoup de monde, les gens ne l'ont même pas, ils n'ont même pas reconnu, vous savez, mais Lot les a reconnus. Voyez la grâce et l'amour de Dieu. Et quand ils sont rentrés dans la ville, les hommes, on dit bien les hommes, pas les femmes qui étaient dans la ville, les hommes ont commencé à pouvoir avoir les désirs de pouvoir les avoir et aller avec ces hommes, ce qui était venu, parce que c'était des hommes. Donc, leur désir, vous savez, charnel a boulé maintenant parce qu'ils voulaient les avoir. C'est l'autre maintenant qui s'interposa. Regardez bien. Il dit, mais arrêtez, vous ne pouvez pas faire ça. Non, l'autre s'interposa pour maintenant prendre ces hommes-là, les deux-là, hein, qu'on voulait prendre par ces hommes-là. C'est comme le temps. Hein. Réveillez-vous. Alors, il les a maintenant mis dans sa maison
pour le protéger. Alors, ils étaient fâchés, ils disent, toi étranger, comment peux-tu ici garder, effectivement, prendre ce que nous désirons, fais-les nous sortir pour qu'on puisse nous connaître. C'est écrit. Amen. Et vous comprenez? Et aujourd'hui, on vous donne même des diplômes pour cela. On vous donne même des financements pour cela. Que Dieu nous aide. Alors regardez ce qui s'est passé. Lot qui les a fait rentrer dans sa maison. Eux maintenant, ils cherchaient à pouvoir maintenant qu'on les fasse sortir pour qu'eux le connaissent. Quelque chose de tout à fait particulier s'est passé. Lot leur dit, ne violentez pas ces hommes-là. Il dit, si vous voulez, j'ai des filles vierges chez moi. Non, il est quand même, c'est fort. Il dit, je vais en prendre, je vais les mettre dehors. Vous les prenez. Vous pensez que c'est écrit? Parce que parce qu'on peut dire que le frère est en train de pouvoir vous me regarder. Ah oui, je vous donne mes filles. Donc je donne ma fille. Si vous voulez, prenez-la. Parce que c'est une femme. Mais c'est son disant. Et puis quand même, quelle abomination. Donc cet homme est arrivé à ce point-là. Parce que quand il les a vus, il savait que c'était un rapport avec la parole de Dieu. Voyez-vous, jusqu'à quel point, quand quelqu'un aime Dieu et les choses de Dieu, il peut arriver à pouvoir se sacrifier. Donc, je veux que vous preniez cette ampleur, parce que le temps file vite, mais on aura peut-être le temps de vous raconter, on va prier tout de suite. Regardez, frère, pour que vous puissiez voir, vous, chacun de vous, les degrés de l'amour et de la foi que vous avez à l'endroit de Dieu. Parce qu'on se prend toujours très haut parce qu'on dit, on connaît la parole. Non, frères et sœurs, ce n'est pas... La Bible dit que la connaissance est l'enfle. C'est ce que nous sommes prêts à faire pour Dieu. Qu'est-ce que toi, tu es prêt à faire pour cet évangile, pour ce Jésus que tu dis que tu aimes tellement? Qu'est-ce que tu es prêt à pouvoir faire pour la défense de cet évangile ici, en fait? Vous voyez, alors, regardez. Il dit clairement que je peux le mettre dehors, je peux vous la donner. Donner sa propre fille. Pour que les hommes qui sont à l'extérieur en abusent. Mais c'est ce que ça veut dire, hein? En abusent parce qu'ils ne voulaient pas que ces hommes-là touchent ceux-là qui étaient donc des envoyés des dieux. Et en plus, c'était des anges. Comment Lot a pu savoir que c'était des anges? Donc, si Dieu les a envoyés là-bas, c'était pour Lot. Vous savez que les temps nous filent vite. Vous savez que dans les Saintes Écritures, plus loin, on nous dit que Lot, le juste, qui était assis à la porte de Sodome, son cœur ont été toujours tourmentés à cause du mal qu'il voyait se commettre dans la ville. Mais toi, et ça c'est dirigé chaque jour, hein? Et toi mon frère, et toi ma soeur, est-ce que ton cœur à toi, quand on fait sortir des saletés, tu cours dedans. Quand on fait sortir ça, c'est pour ça que je prie pour vous, je dis, Seigneur, que leurs yeux, Dieu ne vous prive de rien. Je vous ai toujours dit ça, vous allez me prendre mal, je ne sais pas, mais je vais m'arrêter quelque part. Je me dis, mais vous, frères, vous, sœurs, non pas frères, mais vous, sœurs, avez-vous vraiment besoin de mettre des crayons sur vos visages? Je ne comprends pas. Dieu t'a créé, il t'a donné des sourcils qui sont naturels. Tu dis à Dieu, Dieu, tu n'es pas un bon. Vous insultez souvent Dieu, vous ne vous rendez pas compte. Et vous dites, bon, gloire à Dieu, tu rentres comme ça, je loue Dieu, tu loues Dieu avec quel visage? Ou tu dis à insulter en disant que, Seigneur, ce que tu m'as donné moi ici, ça ne vaut pas la peine, je vais te montrer. Je coupe ça, et je prends les crayons, je dessine. Mais c'est ce que vous faites. Ce que tu m'as donné, ça ne me convient pas. J'en fais comme mes frères et sœurs, Dieu ne s'est pas trompé à ton endroit. Dieu ne s'est pas trompé à ton endroit. Dieu sait ce qu'il veut, ce qu'il fait. Et voilà que, comment Dieu arrive à pouvoir faire pour terminer, pour cela, bon, on n'a pas le temps. Regardez ce que Dieu a fait. Cet homme Lot a eu à pouvoir vraiment tout son cœur donner ce qui lui était cher, ses propres enfants. Aucun homme ne peut faire cela.
Et vos sœurs, ni nous, personne ne peut vouloir donner sa vie à ces gens-là. Vous dites, bon, faites-les même toucher par la parole. Qui va le faire? Ça vous rappelle aussi quelque chose, non? Quand Dieu a demandé à Abraham, donne-moi ton fils. Frère, nous n'avons pas, il faut qu'on mesure les degrés de l'amour. Je parle maintenant aux fils et filles de Dieu, pas à tout le monde. Chacun de vous est libre. Ne vaut pas, tout ce, quand j'ai parlé effectivement de ceci et cela, ce n'est pas à vous, je parle aux filles de Dieu. Ces enfants de Dieu qui l'ont fait sans vraiment comprendre cela, mais quand leur père leur parle, tu ne le verras pas demain avec des choses comme ça. Amen. Non. Amen. C'est sûr et certain, parce que il dit non, je ne comprenais pas. Mais maintenant que je compris, Seigneur, que ça, c'est ce que Satan veut que je m'éloigne de toi, je dois me présenter devant toi comme tu as fait de moi. C'est quelque chose de tout à fait. Alors maintenant, pendant que Lot de tout son cœur, parce que c'était pas que jouer la comédie, non, il voulait, parce que Dieu voit le cœur, il allait prendre sa fille et pour donner à ces hommes-là, Dieu a intervenu. De la même manière que Abraham était sur le point de tuer son fils, Dieu a intervenu. À ce moment-là, maintenant, les anges maintenant ont eu à pouvoir maintenant déployer ce qu'ils étaient. Ils ont aveuglé les gens, effectivement. C'est là. Donc Lot et ses enfants sont bien sortis de Sodome. Et leur fille, sa fille n'était pas touchée. Mais Dieu lui a récompensé. C'est pour ça que Dieu ne va pas prendre vos biens. Dieu ne va pas prendre vos vies. Non, mais Dieu veut voir effectivement quel amour vous avez à son endroit. Ce que, vous savez, frères et sœurs, je ne sais pas comment dire, mais je prie que Dieu nous aide, qu'il nous aide vraiment. Vous vous souvenez des Jochebed? Dieu nous instruit, frères et sœurs. Parce que si on aime Dieu, comme nous l'avons entendu aussi, que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, vous et moi, nous pouvons rester ici même pendant 18 heures, donc du matin jusqu'à 18 heures, rien que dans la parole. Personne de Dieu ne va murmurer. C'est sûr et certain, frère. Sûr et certain. Parce que quand il est là, il peut nous conduire, même dans les circonstances, mais parce que nous aimons être dans sa présence. Jochebed, je termine par là. Jochebed. Il a eu mis au monde aussi comme tous les autres, effectivement. La loi disait que tout enfant mal là qu'on a mis au monde, par ça, il faut qu'on puisse les gruger et les tuer. Vous voyez, dans chaque époque, quand même, il y a des circonstances qu'on oblige les croyants. Dans votre époque. On voit les gens qui tremblent, frère. Vous savez, parfois je m'assieds, je regarde et j'observe. Vous vous rendez pas compte, le cœur attenté du Seigneur. Tu observes, voir à peu près, comment est-ce qu'ils vont réagir. Bref, je vais terminer. Vous savez, frères et sœurs, vous connaissez ce que la Bible dit en rapport avec la marque de la bête. Vous me suivez? Amen. Vous me suivez? Amen. La marque de la bête. Vous savez, pour que vous compreniez que ce n'est pas une histoire, juste simplement, vous puissiez voir. Hein. Vous voyez qu'on dit que personne ne peut ni acheter ni vendre sans avoir reçu la marque de la bête. Je vous ai dit que Corona n'est pas la marque de la bête, les vaccins, vous connaissez cela, non? Mais regardez la similitude. Aujourd'hui, si vous n'avez pas de passe sanitaire, comme on dit, vous ne pouvez même pas aller au magasin, vous ne pouvez même pas prendre l'avion, vous ne pouvez même pas aller dans un lieu, vous pouvez même, donc c'est-à-dire que vous êtes obligé d'avoir ce qu'on appelle passe sanitaire. Musée, vous n'irez pas. Studiement, vous n'irez pas. Ou simplement, vous n'irez pas. Aller acheter à manger, vous ne pouvez pas. Enfin bon, je pense, je ne me trompe pas, je peux me tromper, mais je sais qu'ils ne peuvent pas rentrer dans ce qu'on appelle les centres commerciaux. C'est-à-dire que pour aller acheter les vêtements de centre commerciaux, il faut passe sanitaire. Sans passe sanitaire, tu es exclu de beaucoup de produits. Des infirmières doivent avoir le pass sanitaire pour aller travailler à l'hôpital. Alors, on entend les gens qui commencent à dire, ah, je ne peux pas, moi, je dois voyager, moi, parce que papa, il faut que je donne l'épaule. On doit faire, c'est pour vous montrer, en fait, des éléments qui vous préparent à pouvoir comprendre que ce que Dieu dit dans les Saintes Écritures,
Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas une chose comme ça. Qui... Non, 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 non. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le prélude, c'est-à-dire que le début. On vous montre un peu, on vous fait rentrer là-dedans pour que vous puissiez sentir que... On a bien dit que personne ne peut ni acheter ni vendre sans qu'on ait reçu donc la marque de la bête. Regardez aujourd'hui combien beaucoup parlent effectivement des injections, ou pas, ou vrai, ou pas, on regarde tout ça. Vous savez, j'ai toujours dit, je ne sais pas, je ne rentre pas là-dedans, effectivement, ce n'est pas mon domaine. Mais il est aussi de mon devoir de dire quand même au peuple de Dieu ce qu'il a amené aussi. Bon, je sais que bon, certains peuvent m'en vouloir pour cela d'une certaine manière ou d'une autre, pas moi. Mon problème. Mais juste pour que vous puissiez comprendre que nous entrons dans une phase tout à fait particulière. C'est toujours un peu un test, en fait. Oui. Hein, Satan, il est rusé, il est malin. Il ne va pas venir dire, non, non, non. Il commence d'abord à préparer les gens. Les gouvernements prennent des mesures, les tests, et on va passer dedans. Il est fou, hein. Vous avez remarqué que dans le monde entier, ils sont tous masqués. Ah oui. En Afrique, partout dans le coin, vous avez dit, quand vous voyez mes imaginaires, ils sont tous masqués. Posez-vous la question, est-ce que vraiment le masque, c'est nécessaire? J'ai dit, tout le monde aujourd'hui est devenu barbu, homme ou femme. Vous le voyez, il est toujours avec sa barbe ici. Quand à un moment, il remonte et puis il redescend. C'est ça, en fait, de cette manière. Mais, comme nous le disions, effectivement, Dieu a eu à pouvoir également aussi sauver Lot. Et le faire sortir avec ses enfants. Donc, Lot n'a pas perdu ses enfants. Nous, nous devons comprendre que le diable, dans ce monde dans lequel nous nous trouvons, il ne va pas s'occuper des autres. Il faut toujours que vous puissiez réaliser que Satan ne va pas toucher les autres. Les personnes qu'il vise, ce sont les personnes qui disent, nous, ce qui compte, ce sont les Saintes Écritures. Quand les Saintes Écritures deviennent en fait aussi plus importantes que ta propre vie à toi, sache que tu deviens la cible. Au travail, ça sera une pression. Dans tous les lieux où vous serez, ça sera une pression. Pourquoi? On va te pousser simplement à sortir de la foi, de baisser. C'est pour ça, vous allez commencer à concéder un tout petit peu, mais c'est rien, frère. Et puis quand le pasteur vous dira, frère, ceci, vous devenez aigri contre lui. Parce que les médias vous ont convaincu. Les médias, vous savez, Satan, il est rusé. Vous savez ce qu'il a fait avec ces hommes-là qui sont derrière ces choses-là. Il a muselé les journalistes. Il les a payés. Oui, pour que quoi? Qu'ils diffusent la chose, effectivement. Parce que plus longtemps, vous entendez ça souvent, c'est rien. Puis dire, oh, mais c'est la vérité quand même, c'est bon, effectivement. Mais en fait, c'est comme cela que Satan fait passer aussi son venin, son poison. Et alors, quand les gens sont dedans, il prend les dessus. Que le Seigneur nous aide. Amen. Que nous puissions être de ceux-là qui sont réellement persévérants, comme nous le chantons, jusque à la mort, nous te serons fidèles. Que cela soit ainsi pour vous aussi. Lève-nous, nous allons prier.